Parfois il y a un petit accroc dans le monde merveilleux de la couronne britannique. Kate Middleton vient de se prendre une volée de bois vert public de la part d'une élue outrée par le prix de sa tenue. Nos amis anglais perdent parfois leur légendaire flegme. Et, quand c'est le cas, il vaut mieux ne pas se trouver à proximité. Hier, c'est l'élu du Parlement du quartier de Kensington, où vivent William et sa famille, Emma Dankowa qui s'est emportée contre Kate Middleton. La femme politique, qui ne porte pas la famille royale dans son cœur, elle les a d'ailleurs comparés à la famille Kardashian par le passé, s'est joyeusement payée la seule roturière du clan royal. Membre du Labour, l'équivalent du Parti Socialiste, au Parlement, Emma Dankowa a confié à Skinny tout le mal qu'elle pense de la maman de George et Charlotte. Pour commencer, l'intégralité du système monarchique est ridicule, et on ne devrait pas payer pour eux, c'était l'insurgé. L'élu au Parlement a ajouté qu'il était dégoûtant que Kate Middleton se soit acheté plusieurs pulls estimés à 170 euros pièce. Une somme qui correspond à la facture de nourriture d'une famille de 4 personnes, c'est absolument scandaleux, a-t-elle ajouté. En 2017, la famille royale avait vu sa dotation d'argent public augmenter de 78%, la portant à un total de 86 millions d'euros. Une somme plus que conséquente, mais qui correspond à 1,30 euros par contribuable, comme l'avait précisé Sir Alan Ray, le gardien de la Bourse royale.